Ben non, je peux pas montrer du coup. Bon, tant pis, je montrerai après. Ouais. Tu vois, t'as toujours ta bite sur toi. Exactement. Excellent. C'est ça, j'ai toujours ma bite sur moi du coup. Hein, première game du coup. Hein, ouais, première game. Alex et le Grail sur Smashville. Greninja, Bayonetta, bon, classique. Ouais, je crois qu'ils sont tombés qu'une seule fois en tournoi ensemble. C'était à Paris, il y a déjà un peu plus d'un an. Et c'est. Et c'est Alex qui avait gagné. Oui, en friplé, mais. Ah oui. En tout cas, un peu vite, le pourcentage, hein. Déjà. Déjà marqué, ouais, alors... en fait, Flubby, il a quand même quelques trucs hein, sur Bayonetta, parce que le Shuriken, tu vois, ça a assez porté et tu peux pas trop le time. Et là, le Shadow Snake, il s'est calé à chaque fois, ouais. Il a pour ouais. Le side B. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que hier ils ont pas mal friplé et c'était à l'avantage net de Grail. Et ensuite, en ce moment, enfin, on voit souvent Elexeo perdre contre des Bayonetta. Ah. Ouais. Même si, en fait, dans ce match-up, basiquement, les combos Nintendo de Bayo, là, avec B, side B et tout, Greninja peut en sortir en courant les side B comme il a fait tout à l'heure. D'accord. Mais après, il se fait niquer sur tout le reste, littéralement. Ah, non. Ouais, ça va être le fait qu'il fasse color, ça va être pas trop, je pense. Ouais, non, c'est ça, ça va être. Ouais, mais là, comme tu dis, en effet, là, c'est bien un avantage pour Grail. Hein. Ouais, c'est un bel avantage. Ouais, oui, je fais un peu. Peut-être qu'il voulait prédire un reverse sur Iker. Je sais que Lex est très fan de ça. Ou une dash attack, je sais pas. Ouais. 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 Alors, hop, pro. Ouh, ça avait lu l'air dodge, sur la. Du coup, ça voulait finir avec un Shadow Sneak, mais ça a pas marché au final. C'est très bien joué quand même de la part de Lex. Parce que là, plus qu'il en finit, c'est un Greta. C'est toujours plein de surprises à ce perso. Heureusement, il n'est pas tombé sur le stage, du coup, il est pas bien de faire une tech. Hein. Non, voilà. Ah, bah tiens, tu reviens juste pour le back air. Ouais. C'est parfait. Back air de Bayonetta qui enlève la première stage du coup. L'Alex. Je sais que Alex, quand il commence à perdre contre les Bayo, on le voit souvent changer de perso. Je crois que la dernière fois, il a sorti un Roy. Un Roy? Ouais, Roy, ouais. Mais ça va pas marcher non plus. Hein. Bah, Roy, ça va être compliqué parce que. Ok, c'est vrai que. Bayo, elle est super légère et hop, tu cannes un F-Smash et c'est fini, tu vois. Mm-hmm. Mais si jamais Roy l'offstage, c'est fini. Genre, ouais, c'est sûr. Le temps, elle fait une nerf en permanence et le Roy, elle prend pas quoi. Ah là là, là c'était DI-IN sur la Dentro et du coup, le fer était gratuit. Ouais. Ouais. Après, en même temps, il a fait vite, il a pas plumel donc peut-être qu'il a pas eu le temps d'ajuster sa DI. C'est pas retourné. T'as vu, tu vois, ça bloque au shuriken, tu vois, et c'est toi qui vas enlever ton shield, hein. Ouais, bah de toute façon, enfin après, de base, il a pas de raison d'approcher, quoi, parce que ouais. Vu qu'en plus, Amphinobi est plus petit, Bayonetta, elle va pas pouvoir lui mettre une pression avec le B neutral et le pistolet en lui disant approche-moi. Ouais. Donc du coup, ouais. Ouais, c'est vraiment Bayo qui est obligé d'approcher, là. C'est ça, mais après, l'autre problème, c'est que Greninja, c'est pas un perso qui a des bonnes options out of shield non plus, donc... C'est même s'il se fait taper le shield, il aura pas beaucoup de réponse derrière. Ouais, le witch time pour éviter le shuriken, c'est bien. Hop. Voilà, hop, go, à terre, classique. Ouais. Classique Greninja. Ouais, ça m'a donné des dégâts rapidement. Ouh, Batu Izin là pour sortir le là, combo. on voit peu de combos de Bayonetta 1, hein, ouais. De rien. Il n'y a pas trop en mettre. Ouais. Hein. Là, Elex qui a le neutral, tu vois, et Grail qui subit. Ça ne va pas tuer, pas encore. Le fer qui passe pas grand chose. Hein. Bah, il va essayer de le refaire peut-être. Non. Je pense qu'il a voulu attendre, je vois, en attendant de réaction. Ah, le V-side, alors est-ce que ça va partir? Oh non. Là là, pas du bon côté là. Ouais, non. Il avait prévu de faire son combo et il s'est pas adapté en fait. Dans tous les gros canons, ah, c'est fini. Mais le Witch Time qui passe et. Oula. Boum! J'ai vraiment cru qu'il allait le rater. Malheureusement, ouais, la direction là. Dans laquelle aller Exos, c'était pas possible. Hop. Faire rater Ouais, avec et puni avec un. Hein. Bah, faire. Ouais, là, la game vraiment équilibrée. Ouais, on revient sur le 2 stock là. Et déjà Ken? Ah, bah oui, forcément. C'est le stock qu'on devait être en fait. Ouais, du coup, bah là, pareil, comme tout à l'heure, en fait, même schéma, là, c'est Greninja qui va camper un peu, qui va attendre, et voilà, ouais, de temps en temps, hein, il se fait soit un dash grab, soit un dash shield pour mixer. Enfin, il a pas trop d'options, il peut pas vraiment approcher par les airs. Ah, ouais, des combos. Ouais. Oh là là là, ça reprend le combo. Ouais.
C'est vraiment bizarre. Mais c'est, ce type de combo, les faire sur les côtés, etc., Don Ninja, il peut vraiment en sortir avec son CP. Il devrait pas trop se prendre de combo comme ça. Ouais, c'est vrai que les combo multi, c'est pas trop un problème pour ce perso. Ouais, c'est ça. Après, comme tu dis, ouais, Axio, tu vois, il fait beaucoup de mix-up dans son jeu. Il va, ouais, il avance, il recule tout le temps en fait. Du coup, tu sais jamais. Il peut pas faire plus. Oh là là là. Le Nerf Up Smash, ouais, c'est joli. C'est combo classique de Greninja. Ouais, c'est vraiment très équilibré. Il y en a vraiment. C'est plus Greninja qui domine en neutral, mais. Enfin, Bayonetta a des conversions plus importantes. Ouais, c'est plus grosse punish. Ouais, ouais, c'est ça. Ça attend sur la plateforme un ouais, peu. Là, ça fait... là le Witch Time peut finir la game. Donc Alexia au lycée, hop, voilà, notre dernier ben... smash. Le combo classique, et c'est fini. Classique et qui marche. Ouais. Hop. Que de la chasse. Du coup, est-ce qu'on peut s'attendre peut-être un changement de perso? Ouais. De la part de Grey. Grey, j'en ai plein lui. Je pense pas qu'il va changer maintenant. S'il perd encore, ça va être. Il y a moyen que ce soit Lucina. C'est bien, Louis, c'est bien. Lucina. Ouais, je pense. Il est Lucina, Grey, ouais, je sais pas. Depuis un mois et demi, et elle est forte. Ouais. Après Lucina, c'est vrai que bah, elle est un peu dans l'ombre de Mars. Un ouais, peu, mais c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose, c'est juste bah, sans tipper quoi. Mais au moins, t'es plus consistant sur l'équipe. C'est plus consistant, ça tue vraiment. On va. Ça tue plus souvent plus tôt. Mm-hmm. Ça tuera toujours plus tard qu'un tipper voilà, Forward Smash, mais globalement, ça tue vraiment plus tôt quoi. Mm. Habib, y a Dani te dit de faire des up tilt. Moi, ça va. Allez, du coup, on part sur Battlefield. Je t'ai battu. Donc, un stage qui va beaucoup gêner. De là, si on me vire, on faire ses combos up smash. Je pense que ça l'a pas trop équipé Grêle par rapport à ça. Bien commenté aussi. On a un commentateur amateur qui veut s'essayer au commentary pour la première fois. Du nom de Blubo. Ça me dérange si je commande comme ça. Ouais, voilà, on est parti, tu fais penser. Ah, combien tu veux regarder le stream italien du Goyadé? Oh. Et bah mec, ça c'était sa bonne affaire. Exactement. Non, voilà, donc là. Il y a Alexéo qui triche pour l'instant. On est parti sur Battlefield et. Non, on est pas parti, ça fait 40 secondes que je suis. Ça fait 40 secondes qu'on est parti sur Battlefield. Oh, oh là 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 là, est-ce que ça. Voilà. C'est compliqué hein. C'est le pire match-up, le pire stage de Greninja. Parce qu'il y a plein de setups qui vont être interrompus par les plateformes. Ouais, ouais. Ça donne plein d'options d'atterrissage aux adversaires. Donc c'est difficile de punir avec des shurikens et des dash grabs, des landings quand ils atterrissent sur les plateformes. C'est également un très bon stage de Bayonetta. Exactement. Et oui, tu vas pouvoir vraiment talk par rapport aux plateformes et même camper sur les plateformes en fait. Simplement. Mais bon, là, voilà, Grey ne l'exploite pas pour l'instant. Stank a été utilisé seulement pour protéger l'atterrissage. Bonne DI extérieure sur la down throw, évitant 50-50. Ouais, là. Après, bon, c'est pas une étape, là, elle peut. Je pense sur un Witch Time, là, ouais, elle a déjà le kill confirme. Après, du coup, est-ce que Elex va commit? Up tilt. Et ouais, ça a donné, ça a compris les conseils, maintenant, donner. Ouais. Utilise les up tilt! Par contre, ça finit, ouais. Mauvaise vieille, je crois. Ouais, c'est dans le sens, mais t'es mort, je me fais pas le tuer. Hop. Ouais, et là, Elex, qui va te rater vraiment doucement. Il a pas besoin de pousse. Donc, on est sûrement. Ouais. C'est ce qu'il doit faire. Il va faire le shuriken, il va attendre. C'est moi, j'ai l'air de stop hit. Par contre, c'est un F-Smash un peu trop ambitieux, ouais, de part de Grey. Ouais, Grey qui dit des rolls qui n'existent pas. Et même, j'ai vraiment pas remarqué cette habitude de roll chez Elex. Donc, ça aurait été vraiment surprenant qu'il roll maintenant. Je ouais. Commentais un peu, mais il y a plus de gamme. Hop. Comme de back air. Qui shield. Il fait des wish time un peu bourré là, Grey, tout à l'heure. Un peu, je trouve. Tu gâtes, c'est l'over again. Oh là 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 là, arrêtez avec ce chacha là. Avec ce chabit. Chabit.
Oh, et l'autre dans Smash qui passe pour ça. On m'appelle tête d'oreiller dans le milieu. Voilà, le Grail, ça va créer pas un gros désavantage. Moi non plus. Non plus. Manger une banane, on fait jamais de banane. Ah ouais. C'est assez dans ton esprit. J'avais jamais fait de banane dans mon programme. Ah, effectivement. C'est un petit peu gros comme coïncidence. Ouais, bon, comment ton match? D'ailleurs, en parlant de gros, c'est vrai, quelqu'un? C'est toi qui me parles? Vraiment que je vise à mettre mon chewing-gum dans tes jeux, je ne sais pas que l'inverse n'est plus possible. C'est vrai. Faisons du commentaire, n'est-ce pas, pour... Concentrer, s'il te plaît, Vlogger. Ouais, et toi aussi. Tu penses qu'on m'entend dans le chat quand je parle d'ici? Oui, je peux faire des commentaires un peu passifs. Ouais, pas un peu. Ouais. Moi, je pense que Hugo est petit. Ça va, j'ai compris comment ça marche. C'est pas assez facile. Hugo. Là, ouais. Un peu trop, là. Un peu trop facile. Bon, commentons pour de vrai. Ouais. Juste là, ce qui s'est passé là, c'est comme vous avez dit par rapport à Battlefield, il y avait un film, il avait fait un nerf sur Smash, mais c'est pas passé à cause de la plateforme en fait. Ah ouais. Ah oui, je crois que j'étais en train de regarder à ce moment-là, et c'est parti juste sur le côté. Ouais. Sur spot du Smash, c'est pas sûr. C'est un bon choix, évidemment. C'est rien. Là, les deux sont acquis. Attaque pas. Habib, j'en parlais rapidement hier en disant qu'on ne regardait pas assez Gros Ninja en France. Je ne connais pas très bien comment faire, lui il m'a fait pas de la portée, tu vois. Donc il nous montre exactement ce qu'il n'entendait pas là. Ouais, ça. Bon, après, bon, il aurait pu tech, mais bon, c'est clair. Vraiment, après, voilà, il a la tentative de faire et trouver. Ouais, donc voilà, là on est reparti totalement level. Et ce qui est vraiment bien en fait pour Grail, qui faisait dominer en fait pendant le match, et là il a enfin retrouvé une situation équivalente. Et il a du mal à quitter l'edge, hein. Après, il prend un peu de puissance parce qu'il bat une vigne à chaque fois les. Ouais, c'est ça. Ah, c'est passé, c'est ça. Ok. Un petit débat dans le chat. Elex ou Ice Tudding? En fait, ce débat il était il y a 10 minutes et il y a plein de gens qui en ont parlé. C'est pas grave. Quand t'es en train de relancer, peut le relancer son meilleur. Ah, là, il n'y en a aucun qui arrive à prendre l'avantage. Hein. Aïe aïe aïe. Bien vu, ça le UR, un backer par derrière. Est-ce que... Bayo en mauvaise posture offstage. Non, je déconne, c'est Bayo. Bayo offstage simplement. Elle est revenue, c'est bon. Ah, joli. Nerf, backer. Mon casque ne marche plus. Dommage. Moi, le mien, il marche. C'est vrai? Ouais. Il a vu le nerf. Ça marche pas. Aïe aïe aïe, le witch time qu'il va pas se faire punir. Encore une fois, un Grail bloqué à l'edge. Ça y est, il a que ce côté. Fini. Oh là là, par se faire avoir, vraiment. Bien vu de la part de Elex Yao avec cette down throw. Il nous fait un petit 50-50 des familles là. Il down throw, il dash in et il attend l'air dodge qui arrive. Et donc petit F smash trouvé par derrière. L'air dodge un petit peu risqué quand même. Ouais, je pense que peu, sans air dodge, qu'est-ce qui est risqué? Rien faire. Rien faire, mais ça va pas tuer. Non, je pense pas. Non. Voilà. Ouais, non, il vaut mieux après. Ah. J'ai entendu switch de Corinne. Ouais. Ouais. Là, je pensais à Lucina. Hein. Vraiment, voilà. Il était chaud Habib. Hein. On a un winner encore. C'est vrai qu'il l'a sorti du tournoi. Je pense que pour l'instant il estime qu'il en est pas à ce point là. Après c'est vrai que moi j'aurais plus vu tant qu'à tester un nouveau perso profiter de la winner ouais, bracket winner que de la loser. Lucina, ouais. Totalement. Mais après c'est, enfin clairement c'est aussi la première fois qu'il a testé Corinne contre Elex Yao. Oui. Donc peut-être qu'il a plus confiance. C'est presque la première fois qu'il tentait quelque chose contre Elex Yao. Donc la dernière fois qu'il s'est tenté c'était il y a un an et quelques. Ouais mais ils font pas mal de frippés ensemble aussi il me semble. Ouais, aujourd'hui, ouais. Parce que je retiens pas les gens qui font pas top 9, je suis désolé. Donc tu ne sais pas comment tu t'appelles? Si, je fais top 9. Bah, moi aussi. On s'est arrêté à la même place. Non, si, si. Tu t'es arrêté. Non, s'est arrêté à la même place. Tu t'es arrêté à la même place ou autre? Voilà, donc, comme concrètement. T'es dans ce qu'on pousse? Ah mais c'est Trax, il comprend pas les bails. Bah. Trax il est là pour le business apparemment, mais il est là tout de suite. Trax il est gentil mais non je t'en prie. Vas-y, non, vas-y moi j'ai rien. Comme tu veux, enfin tu sais c'est pas parce qu'il est chaud, c'est que je vais partir. Non mais t'inquiète.
je voulais te demander, ouais. Mais enfin, je voulais pas te faire devant tout le monde, parce que devant le stream ça pourrait être pas mal. T'as quoi là-dedans là ? Quoi ? Ouais. Ma dent elle est morte, en fait. Parce que je me suis tapé la dent en fait quand j'étais au collège. Du coup, il y a la moitié de la dent qui est partie, on me l'a remplacé par une fausse dent, mais la racine elle est morte. Du coup, j'ai une dent noire. Avant. Si. Ça fait du collège. J'avais pas remarqué. D'accord, donc. Ouais, commentons. Non, moi j'avais pas envie de commenter, je voulais juste m'asseoir. C'est quoi ça ? Ah, c'est un micro ? Ouais, bon, c'est pas grave, je peux faire abstraction. Du coup, quoi de neuf dans ta vie, Furgi ? Moi, je suis en train de regarder un tournoi de Super Smash Bros. For Wii U. D'accord. Sur Wii U. Ouais, c'est sympa donc, ça. Moi, perso, j'aime bien les tournois de LoL. Et toi ? De LoL of Legends ? Ouais, LoL of Legends. Ouais, je connais un peu. Parce que moi, quand c'est eSports, moi, je suis là direct, tu vois. Après, le jeu derrière, je m'en bats un peu les couilles, tu vois. Mais tant que c'est eSports, je suis là. Il y a une tortue noire comme dans Super Smash Bros. C'est une bonne question. J'ai pas remarqué en fait. J'étais en train de regarder les stats du stream parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est vrai. Donc tu as vu qu'il y a ou Tofu dans le stream. Ouais, clairement. Ouais, c'est parti. Je regarde, t'es free mais on t'aime. Ouais. J'aime bien le mec qui dit j'avoue qu'il est free alors que la seule fois que j'étais contenu en tournoi, j'ai 3 stocks. Moi ça me fait chier parce qu'il y a des tas de gens qui me battent. Et du coup, je peux pas vraiment trash talk, c'est chiant. Depuis que je suis là, on est redescendu. C'est ballot ça. Mais Guimodas machin, c'était il y a 3 heures. Oh là là, vraiment joli de la part d'Alex. Ouais. Oh, vas-y, viens, on commence pour Ok, vas-y. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu la mise à l'amende. 3 stock à 1, le pic n'a pas l'air de fonctionner. C'est un peu ironique d'ailleurs parce que Alex Zero, dernière performance en tournoi qu'il a faite qui était décevante, c'était aux Pays-Bas. Ouais. Et aux Pays-Bas, il a perdu entre autres contre un joueur de Corinne. Excusez-moi, c'était Ramsès. Ah oui. Qui est pas mauvais, clairement. Qui est moins bon que. C'est ça. Déjà, Meru, il y a un débat, tu vois. Genre, peut-être que Alex aurait dû gagner. En mode, a priori, c'est vraiment un top player et Meru, c'est juste une étoile montante. Ramsès, c'est même pas ça, tu vois. C'est juste un joueur solide. Je vois. Et du coup. Ouais, bah là ça se passe vraiment très très mal. Là, il va falloir essayer de. Il va vraiment falloir essayer de. D'éviter le 3 stock. Ah, c'est bon, joli setup. Ouais. Là vraiment, le comeback ça va être compliqué parce que Greninja il va gratter un peu. Ok, petite punition, ouais. C'est comme ça que ça marche. Hein. Corinne. T'as besoin de gratter un petit peu, de mettre un peu de pourcent, surtout quand t'as un déficit comme ça. Il a joué super safe, c'est vraiment un épéiste dans les règles. Les seules choses qui changent, c'est le side B et le F smash. Tout, c'est spéciaux et le F smash en gros. Ouais. Le reste, c'est vraiment du spacing, patient, etc. Les aérios, c'est la même. Voilà, là, typiquement, c'était pas safe, mais peut-être sur le Greninja, ça allait, le neutral air. Il a pas un super atop shield, voilà. Ouais, pareil, ouais. Voilà. Ok. Les DI de la part d'Elex sont pas mal quand même, parce que même à bas pourcent sur un neutral air de Corinne, il est capable d'aller suffisamment loin. Ouais. Bah, après là, il pourrait se prendre un B-side, mais Grail s'attend pas à une bonne DI. Tu vois. Là, genre, il a vraiment été obligé de dash in avant de le faire. C'est Grail qui a vraiment du mal à trouver. Enfin, en général, chaque fois qu'on voit sa Corinne, il a des. Il a vu ça ? Non, ça va. Il cherchait le. Il cherchait une dodge, ouais, non, clair. Il cherchait le footstool. En général, quand il fait. Ah oui, ça, pour le down air, mais après le down air, il est allé direct en bas, il s'est dit j'ai besoin d'un early kill, là, ça commence à être compliqué. Ouais, là. C'est vrai qu'il se fait vraiment pressuriser, c'est vraiment compliqué. Le neutral air, pour une stage. On a vu tout à l'heure qu'en faisant. Aïe. Le 50-50, ça fait peur, hein. Ça a l'air tout lent vu de l'extérieur, mais quand t'es dedans. Bon, de toute façon, là, il faut l'essayer tellement de fois d'affilée sur le 50. Le UR à 5,99. Eh hey, mon gars, j'ai payé 6€ pour ce UR. Il a intérêt à tuer à 80. 80, c'était après le coup. Je sais pas si t'as vu. Ouais, mais il en a mis deux de suite, donc en fait il a plutôt tué à 60. Ouais, c'est ça. Bon, malgré tout, vraiment Corinne pas tiré avec l'affaire. Rage, est-ce que ça tue très vite ? Je crois, hein. Corinne avec de rage, c'est plutôt pas dégueu, ouais. Ouais, ça tue vite, hein. Et avec le stage control, c'est assez terrifiant. Le comeback, on connaît Grail en plus. Ah, non, ça va pas tuer si la DI est bonne. Malheureusement, ce sera pas bonne. On connaît Grail pour ses rides avec le neutral V de Corinne. Votre DI est bonne. Si là il en réussit une. Ça pourrait vraiment le faire. J'ai compris les références là-bas. Ça, bah en fait, c'est comme avec Bayo quand il est bloqué à l'edge. C'est comme s'il était bloqué au milieu. Ça fait exactement pareil. Il se retrouve bloqué à l'edge. Il va sur la plateforme. Et l'Exero, il fait sur ce stage, c'est différent. Je te laisse quitter l'edge. Par contre, je te laisse pas quitter la plateforme. Et à plusieurs reprises, Greg a essayé de revenir au centre. Et qui est resté bloqué sur sa plateforme. Ouais, et quand il descendait, l'Exero était là. Hein, avec le low profile de Greninja, il faisait un petit crouch, des tilts.